Hier jeudi, qui était 14 juillet 2021, vers le midi, la police nationale a fait un fouille dans plusieurs conteneurs suspects qui étaient arrivés dans l'après-midi, mercredi, qui était 13 juillet 2021, dans le service en portier des Caraïbes dans la Saline. Côté de plusieurs agents, BLNTS, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, juge de paix et puis agent douanier yo t'es déjà sous place pour te connaître qui ça exactement qui t'est en dedans camion ça yo tout en vers iné dans après-midi hier fouille ça t'est continué après coup fouille ça la douane à campa que Port-au-Prince t'est présenté bilan parcelle en opération fouillant yo t'a pas fait dans divers conteneurs service en portier des Caraïbes dans la Saline. Autorité ou te joine 18 zama la guerre, 4 pistolets 9 mm, 14646 cartouches, 140 ans chargés, yon visé et puis 50,000 faux billets, dollars américains, sous 100 journalistes en Lixon Saint-Ville. Après toute vérification dans le cantineur, yo ta acquise, c'est l'église épiscopale dans le pays d'Haïti qui t'a recommandé camion sa yo. Et l'église épiscopale te voye jeté tout en acquisition qui t'a lien yo avec un conteneur d'armes et munitions yo te saisi dans douane Port-au-Prince. D'après sous un métronome et pourtant document yo t'a joint dans un conteneur yo, zama ak munitions sa yo, yo appartient directement à la mission religieuse là dans le pays d'Haïti. D'après une source judiciaire, il y a une enquête qui est ouverte pour déterminer si directement zama ak munitions sa yo appartient directement à la religieuse dans le pays d'Haïti. Selon Père Jean-Madocheville, l'église épiscopale pas qu'on a commandé marchandises comme ça. Lydie Lapton dans la justice fait lumière sur le dossier ça. Et c'est avec étonnement, tristesse que nous tendons des rumeurs qui fait comprendre que l'église là n'a pas gagné un conteneur dans la douane dans le Port-au-Prince et que dans le conteneur ça a gagné des armes illégales là-dedans. Pour l'histoire et la vérité, nous devons dire que l'église n'a pas placé aucune commande de conteneur. Il n'y a pas de démarche tout la mené au niveau de la douane pour lui récupérer le conteneur. Nous n'avons pas gagné aucun conteneur dans la douane de Port-au-Prince. Naturellement, nous avons gagné un conteneur, c'est les amis de l'église là. Moun qui a fait don à l'église là, moun qui a supporté le ministère de l'église là, dans la façon pa yo, yo annoncé, yo arrangé, yo pour yo dit nous que, mais telle ou telle chose, yo voulait supporter, yo voulait pour diocèse là. Laisse ça, eh bien, l'église là, lui-même, lui écrit ministère des cultes, après que l'agence maritime là, mettez nous au courant que lui recevoir ou encore lui gagne, yon conteneur pour nous, nous écrit ministère des cultes, pour nous produire une demande d'exonération de taxes, pour retirer taxes pour nous. Le ça, avec notre ministère des cultes, nous, eh bien, nous permettre que poursuivre en fait, pour que nous, lui-même, lui aller dans la finance et suivre au fait, et lui retourner encore dans le ministère des cultes pour un mémorandum sorti, pour lui capable de présenter au niveau de la douane pour récupérer le conteneur. Dans le moment ça, non seulement nous n'avons pas gagné des marches constantes pour entreprendre, nous n'avons pas gagné commande de conteneur, nous n'avons pas gagné don de conteneur, donc nous n'avons pas aucun papier nous signé. Nous n'avons pas dans le processus comme ça, et c'est avec un pile étonnement nous tendons dans l'église là à citer comme ça. Le conteneur, nous connaissons le principe là, c'est au niveau de la douane, une fois que tout inspection, toute supervision fin faite, yo l'ouvri yo, yo vérifie, puis voir ça qui là dedans, yo ba nou yo. Donc est-ce que yo pas fouillé conteneur ou pas? Nous connaissons principe, tout le monde soumet avec lui.
la douane li gagne pour li checker pour li vérifier ça qui là dans yo donc conteneur nous yo toujours checker toujours superviser même gens manifestant fait pour gagner tout ça qui là dans ça nous même nous recevoir. C'est un principe, c'est comme ça que lié l'église là, pas un monde qui est à côté de là pour lui soumettre avec tout principe qui établit. Donc, nous pensons que c'est un rumeur, nous allons expliquer. Qui côté ça t'a sorti, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas l'intention de nous. Mais sinon, que Zaksa nous qualifie de criminel, c'est méchant, c'est de la pure méchanceté. Parce que ça vient dans le contexte que nous vivons jour et jour dans le pays, nous, et pour une sale image, l'église là. L'église là qui est là pour soutenir le peuple bon Dieu dans la prière, pour conduire dans tout ça qui vient. L'église là qui est là pour accompagner frères et sœurs haïtiens dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans tout domaine que nous sommes capables de supporter l'État dans ça. Nous comprenons ça très mal, l'église là. Qui c'est une institution morale, religieuse, qui a soutenu le peuple dans une situation difficile, qui est là pour dénoncer ça qui n'est pas bon, qui n'a pas qu'à accepter la situation à vivre là, et puis lui-même pour être impliqué dans un trafic de ce genre. Nous pensons que c'est malhonnête, nous pensons que c'est méchant, que Mounan est capable d'aller à l'insu de l'Église pour lui mettre nous dans un dossier comme ça. Nous encourager et nous croyons que la justice dans le pays nous a fait tout ça qui dépend de yo pour que yo joigne auteur yo parce que situation n'a vie jounen jodi a besoin changer faut yo joigne auteur yo pour que van ça ka produit zam ka fourni zam dans pays a yo bloqué mais nous mêmes nous croyons que mission nous en tant qu'église li parallèle li incompatible avec gens de trafic ça yo nous toujours été ferme, nous avons toujours été conséquents à nous-mêmes, nous dans la prière et nous attendons justice, non? Nous attendons enquête diligentée pour permettre que le problème ça finisse dans le pays.